Les côtes atlantiques, et principalement bretonnes, sont traditionnellement tournées vers la pêche à la sardine. De nombreux textes de l'Antiquité rappellent cette longue histoire et de très vieilles cuves à garum, une conservation du poisson dans des auges de pierre, ont été retrouvées sur le littoral cornouaillais. Si l'exploitation bretonne de la sardine s'est cependant réduite au fil des générations, elle a longtemps fait l'objet d'un véritable phénomène économique et culturel local. Jusqu'au début du XXe siècle, de nombreuses chaloupes sardinières, longues d'une dizaine de mètres, capturaient au filet droit, durant l'été, des quantités impressionnantes de sardines, généralement destinées à la conserve. En 1902, le quartier maritime de Quimper, remplacé plus tard par celui du Guilvinec, comptait 1870 pêcheurs de sardines. Il n'était pas rare que les navires en pêche mettent une nuit entière à traverser un seul banc de poissons. Et si les prises d'antan ont à jamais disparu, le port de Saint-Gonolé-Pamar, avec 5000 tonnes de poissons bleus débarqués, sardines, maquereaux, chinchards, demeure aujourd'hui le premier port sardinier de France. Il compte 6 sardiniers, dont 2 venus du port de Douarnenez, contre 100 canots embarqués il y a 75 ans. Autre temps, autre mœurs pourtant. Héritier de la tradition, Pierre Osculière, ainsi que ses 2 frères, sur leurs navires respectifs, traquent chaque année les bancs automnaux et printaniers de sardines dans l'ouest de la baie d'Audierne. En octobre et novembre, puis de janvier à mars, son bateau, l'Étendard, embarque ainsi chaque soir vers minuit son équipage de 7 hommes pour se rendre sur les lieux de pêche. Le temps de route étant relativement court, les hommes le mettent à profit pour un rapide petit déjeuner nocturne, les heures à venir promettant en effet d'être particulièrement occupées. La route de nuit est toujours particulièrement délicate, sinon difficile, et le brouillard imprévisible ajoute encore au danger de collision. C'est pourquoi chaque homme de barre observe l'environnement, tout en surveillant attentivement les appareils électroniques de navigation. Le bateau est en effet équipé d'un GPS, d'un sondeur vidéo avec table de traçage, et d'un sonar permettant de détecter le poisson par réflexion d'un faisceau d'ondes sonores. Les radars, quant à eux, permettent, grâce aux réflecteurs installés dans les superstructures des navires, de détecter toute présence sur l'eau, et ce, à plusieurs milles de distance. Un banc ayant été repéré au sonar, la bolinche est rapidement mise en œuvre. Pêchée dans le noir le plus absolu, seule une balise lumineuse de surface permet le repérage du filet et l'exécution de la manœuvre de pêche, un encerclement rapide du banc de poisson. La première pochée de sardines, plus de 2 tonnes, est relevée vers 1h du matin. Les milliers de poissons capturés brillent dans le filet sous le feu des projecteurs de bord. Le temps, particulièrement clément cette nuit-là, la présence de la sardine laisse augurer une belle nuit. La ligne des flotteurs est remontée grâce au palan d'un bras de charge. Les sardines sont prélevées à l'aide d'une grande épuisette, la salabarde. La salabarde, qui contient environ 250 kg de poisson, est hissée au-dessus d'un vivier d'une capacité de 2,8 tonnes. Un bout ou cordage coulissant, fixé sur le manche de la salabarde, permet d'en ouvrir et d'en refermer le fond d'un geste rapide. Le bateau est équipé de 3 cuves, des viviers réfrigérés d'une capacité de 2,8 tonnes chacun. Un serpentin de gaz réfrigérant immergé dans la cuve et couplé avec le moteur permet à un mélange d'un tiers d'eau mêlée à de la glace d'atteindre une température initiale de moins 2 degrés. Cette température atteint 6 degrés lors du chargement du vivier avant de se stabiliser rapidement à 0 degré, première étape de la chaîne du froid, permettant d'assurer une excellente conservation de la sardine. La pêche étant bonne, il suffit d'une seule pochée pour remplir le premier vivier. Des quotas officiels fixent à une dizaine de tonnes quotidiennes le niveau des captures des sardiniers. Et le filet est remis à l'eau 4 à 5 fois par nuit. Le principe de la bolinche est simple. Long de 300 mètres sur 60 de profondeur, le filet, déroulé à la surface de l'eau, se stabilise grâce à ses flotteurs. Son bord inférieur, lourdement lesté, maintient perpendiculairement l'ensemble.
Une manœuvre de barre de 20 minutes environ permet d'effectuer l'encerclement du banc de sardines repéré par sonar. Le filet prend alors la forme d'un cylindre suspendu à la surface de l'eau. Une série d'anneaux d'acier, les margouillés, placés tous les 11 mètres, permet par l'action d'un câble ou coulisse relié au pont de refermer le fond de la poche. La sardine, de son nom scientifique Sardina pilchardus, appartient à la famille des Clupeidae. C'est un poisson fuselé de 10 à 15 cm en moyenne, au corps argenté. Présent en Atlantique et en Méditerranée, ce poisson bleu, une appellation technique qui comprend également le maquereau et le chinchard, par opposition au poisson blanc, fréquente les côtes en bancs de plusieurs milliers d'individus. Des concentrations qui font le bonheur des poissons chasseurs, comme le bar, le thon, mais aussi le dauphin et le marsouin, friands de sardines. Elle vit principalement dans des fonds de 30 à 60 mètres, où sa période de frais annuelle est particulièrement active au printemps. La sardine, qui se reproduit à partir de 2 ans, est souvent présentée à tort comme un poisson gras. Elle est au contraire un poisson riche en protéines, en vitamines, en éléments minéraux et surtout en huile oméga-3, un composant de la classe des acides gras polyinsaturés, dont les scientifiques du monde entier ne cessent de louer les mérites. Ce que confirme en Bretagne le docteur Patrick Aubé, évoquant le rôle bénéfique du poisson en général. Il est un élément de préservation pour notre santé. 2 plats par semaine représentent un minimum pour bénéficier au mieux de son rôle préventif vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. La manœuvre d'encerclement achevée, les sardines prises au piège, la balise lumineuse est récupérée. Chargé à plein, le filet est remonté au Power Block, un système de type californien très puissant, muni d'une grosse poulie en caoutchouc. La démultiplication des forces alliées à la puissance du moteur permet au Power Block de soulever des charges importantes qui ne seraient pas manipulables par l'équipage. Si la mécanisation a simplifié certains aspects du travail, les gestes traditionnels demeurent, qui consistent à haler lentement la bolinche à la main. Comme autrefois, chaque homme tient toujours le même poste sur le pont, et la nasse est soigneusement embarquée. Les anneaux de fermeture du fond, en réalité des mousquetons en acier inoxydable, coulissent et s'empilent en se rangeant sur le câble qui les actionne. Leur rôle est fondamental dans la fermeture rapide de la poche. La lente remontée manuelle du filet permet de le rapprocher du bateau, tout en prenant garde de ne pas endommager la pêche, la sardine demeurant un poisson fragile. La ligne des flotteurs est remontée grâce au palan d'un bras de charge.
L'expérience du patron, sa connaissance du milieu, ont permis de remplir rapidement les trois viviers. La technologie du sonar lui permettant des repérages précis et des manœuvres rapides, Pierrot décide alors de changer de secteur et de se mettre à la recherche d'un autre banc, l'équipage ayant déjà procédé à l'embarquement de la Bollinge. Malgré l'utilisation du mât de charge, la taille et le poids de la salabarde en font un outil difficile à manipuler. Les risques d'accident sont d'ailleurs omniprésents sur le pont d'un navire, et ce sont eux qui motivent notamment les places habituellement attribuées à chaque matelot. Aujourd'hui encore, la sardine demeure un poisson un peu magique pour la majorité des marins, sur qui elle exerce une étonnante fascination. Le filet droit aux mailles de coton, que l'on tannait sur les quais, appartient aujourd'hui à l'histoire. Cet ancêtre des matériels modernes, qui piégeait le poisson par les ouïes, a depuis des années 60 été remplacé par un long filet tournant en matériaux synthétiques, la bollinge, de couleur bleue, rouge ou blanche. Rappelons pour la petite histoire que le filet tournant à sardine, autorisé par décret ministériel du printemps 1926, n'a été adopté par les pêcheurs qu'à l'automne de cette année-là. Cette scène, baptisée modèle Saint-Guénolé, en avance sur son temps, avait à l'époque déchaîné bien des passions. Redoutablement efficace, ne lui devait-on pas dès le premier jour de pêche la capture de 750 000 sardines. D'autres navires sont en opération de pêche sur zone. Les feux de nuit des navires sont conventionnellement fixés par les règles maritimes. Le côté tribord ou flanc droit du navire porte un feu vert. Le flanc bâbord, le côté gauche, un feu rouge. Les feux de mâture sont blancs, rouges, isolés ou superposés, et leur nombre et leur disposition indiquent l'état du navire. En pêche, en panne, en difficulté. Ils sont indispensables et permettent notamment de mesurer le trafic, de venir en aide à des confrères ou d'éviter les routes de collision. La radio VHF, omniprésente, permet aux marins, grâce à ses canaux, de maintenir un lien permanent avec les confrères et les centres de sécurité à terre, les célèbres crosses. La pêche de cette nuit, particulièrement fructueuse, a rapidement rempli les viviers. La quatrième pochée est directement libérée sur le pont, et l'étendard atteint ainsi la dizaine de tonnes que lui attribuent les quotas. La marée s'achève, la bollinge est embarquée et le matériel rangé en prévision du lendemain. Après une nuit de travail éprouvante sur le plan physique, l'heure est venue de regagner le port. Il est environ 5 heures du matin quand l'étendard prend le cap de Saint-Guénolé.
Malgré la fatigue, l'équipage met le trajet à profit pour se restaurer et effectuer quelques réparations ou travaux d'entretien courant. Le patron à la barre fait preuve de la plus grande attention. À la fatigue qui se fait nécessairement sentir, s'ajoute la surveillance du trafic des pêcheurs côtiers en route vers le large. C'est en effet l'heure où la flottille de chalutiers quitte le port pour le plateau de la Grande Vasière, une zone de pêche particulièrement réputée pour ses langoustines et ses poissons du jour, située à 4 heures de route de Pamar. L'étendard se range le long du quai, où attendent les employés de criée chargés du débarquement. L'activité est d'ailleurs quasi permanente sur le port, les travaux de déchargement des gros chalutiers se poursuivant souvent jusqu'à l'aube. La pêche est rapidement débarquée et stockée dans des bacs garnis de glace. De différentes dimensions, suivant leur destination, ceux-ci sont ensuite mis en chambre froide, en attendant d'être achetés puis traités par les différents acheteurs ou transformateurs de la région ou de l'étranger. Un groupement professionnel, l'OPOB, des conserveurs régionaux, sont en effet les principaux clients des marins du port. Mais le Japon lui-même, grand consommateur de poissons, figure parmi les destinataires de la sardine de Saint-Guénolé. Congelée et conditionnée, celle-ci traverse une nouvelle fois les océans pour les tables et les étals du pays du soleil levant. Facile à préparer grillée ou frite, la sardine, entre les mains d'un chef, fait aussi l'objet de préparations fines, comme celle présentée ici par Gilbert Guillon, du restaurant L'Ambroisie, à Quimper. Donc pour cette préparation, il nous faut, pour 3-4 personnes, un oignon, une tomate, un citron, le jus d'un citron, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, du vinaigre de xérès, quelques petits légumes taillés en macédoine, en petites mirepoix, un petit peu de fines herbes, ciboulette, persil, et sel et poivre, bien sûr, pour assaisonner pour la finition. Il vous faut à peu près 3-4 sardines par personne, suivant la taille. Nous allons commencer par faire les filets de sardines. Mais on peut tout aussi bien demander au poissonnier de nous lever les filets de sardines, ça fera un plaisir. Sinon, si c'est de la petite sardine, il faut bien 5 sardines pour avoir une dizaine de petits filets par personne, pour faire une belle entrée copieuse. Et une fois levés les filets, il n'y a pratiquement plus d'arêtes, même la petite arête centrale, c'est pas gênant. Voilà, donc on va préparer la marinade avec le jus de citron. Voilà. En fin de compte, c'est une vinaigrette très très acide qui va cuire un petit peu la chair des sardines et qui va la rendre un petit peu plus moelleuse et goûtée. Un petit peu de poivre, un petit peu de fleur de sel. De l'huile d'olive. Donc c'est pour la marinade, il faut que ça reste encore très très acide hein, pour pouvoir permettre aux sardines de bien prendre de bien cuire dans la vinaigrette, dans la marinade. À partir de ce moment-là, on laisse à peu près 2-3 heures, une demi-journée. Une matinée, c'est bien pour le service du midi. On laisse ça au frais et puis on va obtenir la chair des sardines va bien macérer et va blanchir un petit peu. Pendant ce temps, on va préparer une petite vinaigrette un petit peu relevée. On va prendre un oignon,
et le hacher très finement à la main ou au robot. Si vous avez un robot, c'est très bien. Un oignon, une tomate que l'on va couper en quatre, que l'on va épépiner, enlever toute la pulpe et les graines, à cru, sans la monder, sans la cuire. Ensuite en petit dé, pareil que la même chose que les oignons. Je vais ajouter un petit peu de ciboulette. Un petit peu de persil, enfin grossièrement haché, dirons-nous. Voilà pour les ingrédients de la vinaigrette. 4 cuillères de vinaigre de xérès. 4 cuillères d'huile de tournesol. Et 4 cuillères d'huile d'olive. Alors on va avoir une vinaigrette très très riche et puis très... très agréable avec tous ces petits légumes qui vont relever un petit peu le goût de la sardine. Voilà, on a deux, trois préparations. J'ai fait en plus quelques petits légumes de garniture, carottes et courgettes. Nos sardines marinées qui sont bien cuites là, un petit peu blanches. Là, elles sont restées depuis ce matin dans la marinade. Donc après, tout dépend des goûts. Il y a des personnes qui les aiment un peu plus crues que cuites. Pour obtenir une sardine bien marinée, 3 heures au frais. Voilà. La marinade, on va la rajouter dans la vinaigrette qui va nous redonner un petit peu plus de jus. Et on va dresser toute cette vinaigrette avec tous les petits légumes autour. On va laisser les sardines un petit peu découverte pour avoir une jolie couleur. Et on va l'agrémenter de petits légumes croquants, des petites carottes cuites à l'eau et des courgettes également. Voilà, et on rajoute toujours en finition un petit peu de fleurs de sel. Les sardines marinées au citron et à l'huile d'olive.